Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur Rust et comme vous avez pu le voir, il y a plein de serveurs qui ont été wipe, une heure d'existence partout presque. On va regarder un petit peu, sur tous les serveurs en fait. Tous les serveurs ont été réinitialisés, donc c'est parti pour visiter un maximum de serveurs et trouver la pépite. Et bien évidemment, à chaque vidéo, je mets le serveur en description et au plaisir de vous retrouver dans un des serveurs. N'hésitez pas les amis à lâcher un max de pouces bleus pour m'aider, pour me soutenir et c'est toujours le bienvenu. Allez, c'est parti, on va chercher le premier serveur, Kruger, qu'est-ce qu'il dit Kruger? 25 de MS, et let's go, une heure d'existence, let's go. Et ça c'est bon pour le fight, là tout le monde est au même niveau, à part les cracks, hein, mis à part les cracks bien sûr, hein, ça vous. La plupart des gens sont au même niveau. Alors ok, il y a déjà des bases, nice, bien joué à cette personne là. Quelqu'un est en train de farmer là, on va se le faire. Merci, tu vas pouvoir me donner que ta farm déjà. Allez, on va continuer ce qu'il a commencé, je suis un gros bâtard. Et puis si jamais j'ai une base, la base sera bien évidemment à vous les amis, en donnant tout simplement mon code d'accès. Et c'est pas que la base, c'est la base. Et ce qu'il y a à l'intérieur de la base. Donc tout ce qui est à l'intérieur vous appartiendra. C'est un petit concept. Je teste plein de serveurs et puis à chaque fin de vidéo, à chaque fin de série sur ce serveur-là, je give ma base si j'en ai une. Est-ce qu'il va venir vers moi lui? Allez, on va l'attaquer. Allez, encore un dernier coup. Merci cool lui par contre. Ah merde! Putain, enculé, va. J'espère que t'as quelque chose hein, sur toi. Bâtard, il a rien en plus. Ah, fils de pute, va. T'aurais pu te laisser buter. Hein. Hop. J'entends des bruits de pas. Je vais balancer ma lance là, mais. Oh, je l'ai buté. Ah ouais. Ok, il y avait un deuxième. Je l'avais buté avec ma lance, les gars. Oh, nice. Ok, on a un autre mec ici là. Attends, on va laisser tranquille lui. Je crois que je vais faire ma base. Hein. Coming, brother. Ah, on va se barrer. Avec le cadenas, bien sûr. Ah voilà, on a notre sas. Ah, on arrive dans une ville. D'accord. Ah. J'étais encore dans la zone sûre. Mais non, je suis une grosse merde. David, ma mère, je suis une grosse merde. Bon, on peut dire que j'ai perdu mon stuff, les gars. Ah, je suis une grosse merde, David, ma mère, je suis une grosse merde. Attendez, il vient de spawn, lui. On va lui montrer un peu comment c'est ici. Hello, bros. Le combat de titan, les gars. C'est maintenant ou jamais. Ça y est, il est mort ce fils de pute. Tenez, bande de bâtards. Ah, il m'a filé 400 de voix quand même. Hein. Allez, on se casse. Allez, ciao. Ok, can you at least pick me up? Ta gueule. Ta gueule. Tu me donnes ce qui m'appartient. Merci, au revoir. Hey, rends-moi ça, toi. Rends-moi ma lance, sale bâtard. Ah, je veux ma lance, moi. Moi, je vais récupérer ma lance. C'est moi qui vais mourir, les gars. Je suis dégoûté. La vie de ma mère, je suis dégoûté. Ouais, c'est pas grave. On rentre à la maison, comme ça. Non. Ouais, cette fois-ci, on va faire ça correctement. C'est bien de s'amuser, mais c'est aussi bien d'offrir du bon gameplay. Il faut porter le premier coup. Si tu portes pas le premier coup, mon ami, tu gagneras pas la victoire. Tu gagneras pas le combat, mon ami.
Mais là, ça camerde. Je vais mettre 3 lances en bas. Allez, nique ta mère. Intérieur, c'était sans bed. Je vais pas me fight parce que, en fait, là j'ai pas beaucoup de vie et j'ai pas eu le temps de me régénérer en fait. Eh, hey, laissez-moi tranquille un peu là, j'ai rien fait de mal. Y'a plein de mecs là, armés là. Armés jusqu'aux dents. Ils ont tous des arcs, tu sais. Ok, ça tire. On va s'éloigner un peu plus, les gars. Voilà, l'arc. Enfin. Ok, il a bas le mec. Se calmer tant s'il est tout seul. Oh my gosh! Ah, ça fait plaisir les têtes comme ça là. Il y a un mec juste à côté. Attendez. Ah, il me l'a mis, fils de pute. Faut que je me barre là. J'ai plus de soins, j'ai plus de bouffe. Les amis, c'est vraiment la merde pour moi. Mais non, mais sérieux? Mais sérieux, je suis hostile à quoi, gros? Ouais, vas-y, c'est bon. Peut-être qu'ils m'en veulent pour tout à l'heure, je sais pas. De pute, va. Bon, ça me donne une bonne raison encore une fois de rentrer à la maison. Eh, le mec, il a pas envie de rentrer, quoi. Oh, nice, on a trouvé une tenue asthmate. On va la ramener à la maison avant de mourir. On va ranger cette tenue asthmate. On va ranger ça aussi, les choses précieuses. Alors les amis, avant la fin de la vidéo, je vais installer aussi un verrou numérique, histoire de vous donner le code à la fin de la vidéo. Ah, sale bâtard. Ah, le bâtard. Il s'est fait buter, je crois. Y'a pas de bouffe, y'a pas de citrouille, gros. Depuis que je suis arrivé, gros, ça fait 2 heures que je suis là. Ça fait 2 heures que je suis dans le serveur et toujours pas de citrouille. Oh, ça me plaît bien celui-là. Il y a un mec en haut à gauche, là. Devant nous. Il s'approche de notre base. Dégage, mon pote. Il y a un mec qui tourne autour de ma base. J'aime pas trop ça. Ah, je suis obligé de mourir. Ça me casse les couilles. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien. Ça me casse les couilles de mourir comme ça, de me suicider. Parce que on n'a pas de bouffe, on n'a rien. On va être cannibale, on va se manger nous-mêmes. Ah, ça y est. Il y a un mec au fond. On t'a vu. On arrive tout de suite. Attends-moi, frérot. T'es passé où? Il est passé où? Il est là. Ok, on va s'approcher discrètement. Il n'y a pas de friendly avec moi. C'est fini, plus de friendly. Ah, t'avais bien commencé hein, ici. Hein. Nous avons que des barils ici. Mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou ici. On va se barrer. Bon, je pense que ça a déjà été fouillé, donc je vais pas m'attarder trop ici. On va aller ailleurs. Ah, on a un bleu, on va se le faire. Ça pour ça, frérot. Heureusement, il va pas toucher. Hein. J'aurais pété un pont. Et puis tout ça, hein, bien sûr, les amis, ça vous reviendra. Tu dois bien ça quand même, non?
vais aller recycler aussi un de ces quatre. En plus, je suis pas loin. Merde. Non, je vais pas recycler ça. Hi, man. Whoa, buddy. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, il y a un largage à côté. Il y a un largage à côté. Il y a un largage à côté. Go, 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 go. Ça va être chaud, ça va être chaud. J'espère avoir le temps de passer chez moi, là. Mais j'aurai jamais le temps. Il tombe au phare. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Le monde qu'il y a, gros. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Que faisais-tu là? Bah, parfait. 200. 201, il m'en reste 100. Alors, déverrouiller. Hop là. Changer le code. Le code sera le nombre d'abonnés que j'ai en ce moment, c'est-à-dire 361 avec un 0. Donc, ça nous donne 3610. Voilà. Bien évidemment, les gars, à la fin de la vidéo, j'enlèverai cette serrure-là et la serrure de l'armoire. Les coordonnées se trouvent devant vous, en E12, entre E12 et F12. Le serveur aussi, il est là. Voilà, vous avez tout, les gars. N'hésitez pas à mettre pause aussi. Hein. Je peux vous dire, les gars, ici, c'est mon terre-terre, quoi. Je pense qu'ils ont un problème, les voisins. C'est génial, on a une lampe, les gars, là. Oh là 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 là. Psartek. À chaque fois que je rentre chez moi, les amis, à chaque fois, il y a un mec qui tourne autour de chez moi, gros. On dirait que c'est sa passion, gros, tourne autour de chez moi. Et puis à chaque fois que je sors, bien sûr, il est jamais là, gros. On va le placer juste ici. Parfait, ça. Les gens, ils traînent trop près de ma base. C'est chaud, quand même. Bon, il est où le mec qui tourne tout chez moi, là? Je vais lui exploser son crâne, ce fils de pute. Hein? Alors? Alors, plus personne me casse les couilles? Non, 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 mais non, nique ta mère. Ça fait 3 heures que je suis dans le serveur, ça fait 2 heures que je passe à côté, que je casse pas les couilles à l'avant-poste d'extraction, gros. Oubliez, soyez RP un peu, je suis mort. Ok, là j'ai atterri en mode aléatoire. Mais mec, ferme ta porte, non? Il est là, hein, le mec, hein, il est là. Mais bon, je fais ça pour qu'il la ferme, quoi. Et il décide de bouger. Lui, ça va être le premier que je vais raid. Parfait, ça. Oh. Il m'a dit, s'il te plaît. Il a l'air vraiment dépité, le mec. Thanks, man. Dude, you are freaking awesome. I love you. I love you. Thanks, man. Non, il est mort. Ah non. Ah non, il est mort. C'est quoi, laisse tomber, bro. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a un mec qui court là, à l'intérieur. Eh, sors revoir de chez toi, mon ami. Que je te tire une flèche entre les deux yeux. Allez, sors de chez toi, petite biloute. Mec, aie pitié de moi. Je crois que moi, je demande au gars de me rendre mes affaires quand il me bute. Je crois pas, hein, non. Ah, chasser sur Rust, ça doit être chiant. Yo, can you give me some tools? I don't wanna die. I don't wanna die! Stop, he's right there, please!
please! Help me! He's gonna kill me! Help! He's gonna kill me! Il est mort. Le mec, il a voulu rentrer, il est mort. Oh, le bâtard, il m'a mis cher, gros. Mais prends, fils de pute, prends, mec. Il m'a cassé les couilles, le mec, il a pas voulu prendre sa lance, gros. C'est quoi, ce gars? Putain, vous avez vu quand même que je tapais dessus, gros. Arroseur arrosé, t'as voulu casser les couilles à l'autre? C'est moi qui te bute. Arroseur arrosé, t'as voulu casser les couilles, c'est toi qui te fais buter. Pendant la grande bataille, on va récupérer des flèches. C'est cette merde. Par contre, lui, il est en train de faire à côté de chez Wam là. Il va se détendre direct. Oh, I got hit in the back. You're good. Oh, shit. I'll try and save you. I killed this guy. Oh, I didn't realize there was only one shot on that. Okay, I'm dead still. No, he got me. Let's go. Ici, c'est la France. On voit un peu comment ils sont dépités, les mecs. Oh, shit, man. On voit les geeks, man. Oh, nigger. Moi, j'ai trop de merde par terre, en fait. J'ai un peu le gros casse-couille du serveur, quoi. Ici, là, je suis un peu le mec qui casse les couilles. Eh les gars, la première personne qui va réussir à venir dans ma base aura tout le pactole en fait. Tout ça sera pour lui. Je vous promets, je vais tout laisser pour cette personne. Donc faites-vous plaisir, venez et amusez-vous tout simplement. Moi je le fais pour m'améliorer les amis. Hein. Moi la vraie aventure que je vais lancer, ça sera en privé les gars, ça sera en partie privée. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'emmerdes en partie publique. Moi ça sera essentiellement en partie privée que je ferai une longue, longue série. Oh shoot. Nah. Hey, me tape pas frérot, je te laisse tranquille. Hey, me tape pas frérot. Well played. Va ramasser sa lance. Open the door, man. Ramasse pas son truc. Fais-la, Matic. Fais-la. Ouf. Mais tu joues plus ou quoi, frérot? Tu veux plus jouer, fais la gueule. Oh shit, le bâtard il m'a mis tellement cher. J'ai 3 heures de vidéo à dérocher les gars, à monter. Ça va être une horreur. À mon avis, vous allez avoir une longue vidéo si j'arrive à réduire ça. Donc les amis, regardez maintenant ce qui vous attend. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est bien pour débuter sur Rust. J'ai fait ça pour vous. Vous avez pas mal de choses. Vous avez 213 de ferraille quand même. Donc n'hésitez pas à tout de suite allumer votre console pour rejoindre le serveur. À vous de faire le tri après. Vous avez une tenue asmat et tout en plus. Ramassez la serrure. Oh GG. Allez salut. Oh GG mec. Ok bon. Voilà. Ce sera tout pour le moment. Je peux pas faire une serrure. Hein. Si. Écoutez, je vais utiliser le fer qu'il y a là. Et voilà. Ce sera pour cette porte-là. 36, 10. Donc la base, les amis, est à vous. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Elle aura été un peu plus longue que d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous dis à très vite, mercredi. On se retrouve pour du Rust. C'est Akari. Ciao, bye bye.